je vous fais pas le clap là, ça me manque. Pardon ? Ça me manque, je vous fais pas le clap. Ce qui m'amuse énormément, c'est que c'est un retour au duo de comédie. C'est quand même, j'ai pas fait ça depuis Marshall Ombre. Hein. Bonsoir, c'est le docteur Nanou Nani. Mamou Mani, bordel. C'est une comédie de duo avec Michel Blanc, en vieux médecin, fatigué, au bout de sa vie, qui va se faire remplacer par Hakim Jemili, Malek, qui va prendre sa place au temps d'une nuit. Et évidemment, les choses se passent jamais comme... Donc c'est un vrai bon sujet de comédie. Je sais que Noël, c'est dur pour toi, mais un jour, j'arrêterai de te couvrir. T'inquiète, je gère. Ah, putain ! Je peux pas bosser ce soir. Faut que je dise comment ? T'es tout seul. Bien, l'esprit de Noël, hein. Y a personne pour vous remplacer ? Il m'a mis à l'aise parce qu'il savait que c'était mon premier film, il le savait ça. Bah ouais. Ouais, il le savait, tu vois. Ouais. Donc il m'a mis vraiment beaucoup parlé. Il m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup fait de blagues parce que tu sais, en fait, je me suis rendu compte que c'est un blagueur, tout, c'est un gros vanneur, hein, Michel, hein, tu vois. Pour moi, c'est un vanneur de quartier, mais version ancien, tu vois. C'est que il me fait penser à des mecs de mon quartier, tu vois. Mais avec des mots, on va dire, plus jolis, tu vois. Hakim est formidable et on est tellement différents. À tout point de vue, hein. Je parle pas seulement d'âge et de machin, mais dans le jeu, dans la manière de parler. Hakim, t'es prêt là ? Ouais. Il est vachement concentré. tu me dis, action, moi j'y vais. Tu vas voir, il se fige. On est prêt ? Ah ouais, quand vous voulez. Allez, action. Je pense que c'est important d'être porté par des exemples générationnels, d'être porté par des gens un peu plus vieux. Quoi ? Non, rien, je voulais juste vous remercier et puis. Oh. Et je pense que c'est tout aussi important pour eux de nous côtoyer aussi. Pour justement pouvoir se rebooster, pouvoir penser. Parce que nous, ça nous booste, ça nous apprend plein de choses. Et puis, on découvre plein de choses sur la vie. Et je pense que vice versa aussi. Bon, allez, faut qu'on y aille. Tenez. Merci. Bon, bah, c'est parti. Je sais pas pourquoi je te parle fort, tu l'as plus. Vas-y. Le film raconte l'histoire d'un docteur qui va envoyer un type qui ne l'est pas à sa place et qui va du coup apprendre à quelqu'un d'autre à le devenir, ou au moins lui donner envie de l'être. Et en fait, dans le fond, ce que raconte le film aussi, c'est un acteur qui va donner envie à quelqu'un qui ne l'est pas encore, Hakim, qui ne l'était pas quand on a commencé, à jouer encore la comédie, à devenir un acteur. Si on remplace docteur par acteur, on a aussi le projet du film. En fait, c'est la naissance d'un acteur, qui est Hakim Jemili, que les gens vont découvrir au cinéma. Et alors, le film est raté, mais lui, il est super... Arrête, on peut... Ah, tu me vénères. C'est pourquoi j'étais en train de faire... J'étais en train de faire mon regard de meuf sérieuse, genre... Ouais, non, c'est ça, c'est... Ah, la promo éclatée. Docteur, qu'est-ce qui m'arrive? Bah, vous venez de vous pisser dessus, en fait, là. Mais pas du tout. J'en profite pour lancer officiellement le label Coup de cœur Ciné-Comédie, décerné au film Docteur. Christian Seguela, Hakim Jemili, Michel Blanc, Flavie Camara et Franck Gastonville. C'était un tournage exigeant parce que, justement, toi tu disais que je ne m'étais jamais mêlé de mise en scène, je ne le ferais jamais sur un film. Mais ta mise en scène n'avait pas besoin qu'on s'en mêle là, pour parler un très joli français. Voilà. Parce que il a une justesse dans la direction d'acteur, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si tu n'es pas d'accord avec moi, je m'en fous. C'est bien Hakim comme ça dans l'énergie. Hein. Ah, j'ai cru que tu parlais du clap. Ouais. Là aussi. Le clap aussi. Le clap aussi, t'es meilleur. Bonne chance à ta monteuse pour les raccords avec la clope. Hein. Non, je suis pas d'accord. Avec ma... quasi toujours pareil, et en plus on a enfin, du... Bref, bon. T'inquiète, on a tellement de prises, je me fais pas de bonne chance. Et c'est un monteur. Alors, c'est pire.